Hello les amis, c'est Sava Gaming, j'espère que vous allez bien, bah moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3, le retour. Et surtout le retour de Je lance le défi, et c'est pour ça que vous avez vu, Je lance le défi, hashtag 2 ou tout court 2. Donc voilà, et vous avez pu voir dans le titre, Je lance le défi plus Scorpio. Oui, je vais parler de Scorpio parce qu'apparemment Scorpio va très mal. Sur YouTube comme aussi dans la vraie vie, j'ai vu sa vidéo, apparemment il annonce peut-être la fin de sa chaîne. Alors peut-être qu'il regardera pas cette vidéo, mais peut-être qu'il tombera dessus. Moi franchement je ne fais pas ça pour faire des vues ni rien. C'est juste qu'il est dans la team, je l'ai ajouté dans la team parce que Scorpio c'est un gars qui sait ce qu'il fait sur YouTube. Au fait, il sait ce qu'il partage, il partage vraiment ce qu'il aime faire, etc. Et c'est plutôt intéressant, c'est pour ça qu'il fait partie de la team. Et moi, perso, je voudrais pas qu'il arrête YouTube parce que il a quand même 30 000 abonnés, c'est quand même pas rien, c'est quand même déjà pas mal. En plus, je crois que par moment, il fait des urbex, etc. Et sa chaîne est multi-gaming, plusieurs choses et tout. C'est vrai que YouTube part totalement en couille. Même moi qui approche des 181 abonnés, je sais très bien que YouTube part en couille. Parce que même moi, mes CopyGFR de base font du 50 vues, voire du 60, voire des fois du 100 vues en même pas deux jours. Même moi, je me rends compte que YouTube se barre totalement en couille. Donc tout simplement, voilà. Scorpio, si tu regardes cette vidéo, moi je te dis tout de suite, n'arrête pas YouTube. C'est vrai que c'est complètement con. Et voilà, en plus tu fais du excellent travail. Il y en a certains, voilà, ils font totalement de la merde. Et voilà. Après, c'est vrai que YouTube ne met pas en avant les gens qui font quand même du contenu assez propre. Alors, moi je me compte dedans, mais pas trop non plus parce que bon, je sais que j'ai toujours des choses à améliorer. Mais toi, Scorpio, tu fais vraiment partie des gens qui fait en vrai. Font du bon travail et du bon contenu, et ce serait dommage quand même que, je sais pas combien de temps t'es sur YouTube, je pense que ça fait déjà pas mal de temps, comme tu dis, t'es un gars qui a toujours été sérieux, qui a jamais menti à ses abonnés, et ça c'est plutôt cool. Donc n'arrête pas YouTube, faut que tu continues quand même, même si YouTube on sait très bien part en couille. Moi si je peux te donner un indice, une aide, n'hésite pas, mais moi je peux te dire tout de suite, si tu veux vraiment que YouTube te mette en avant, faut que tu essayes de mettre des lives, au fait. Parce que YouTube maintenant ne met en avant que les chaînes qui font des lives de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a le Blédard qui fait de plus en plus de lives la semaine et de plus en plus le week-end. Parce que tout simplement, YouTube maintenant ne met plus en avant les chaînes qui ne font pas de live. Ils mettent en avant surtout les chaînes qui ont fait des lives dorénavant. Et du coup, voilà. C'est pour ça. Moi, je me suis rendu compte que YouTube mettait en avant les chaînes qui ont fait des lives ou qui en font. Parce que tout simplement, quand je fais des lives, pendant une semaine, voire deux semaines, mes vidéos arrivent à faire quand même pas mal de vues, arrivent à pas mal de faire du partage, tout simplement. Et voilà, Scorpio, non, faut pas que t'arrêtes YouTube, ça sert strictement à rien. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours là à vous enfoncer. Moi, c'est mon cas. Depuis que j'ai arrêté la musique, il y a une ancienne communauté qui sont là en train de m'insulter. T'as arrêté la musique pour le gaming, c'est nul, etc. Mais toi, c'est différent. Il y a quand même des gens qui t'enfoncent, que ce soit sur YouTube ou aussi, enfin, qui tentent de s'enfoncer. Mais si tu sais ce que tu fais, si tu aimes ce que tu fais, continue YouTube. Moi, j'ai envie de dire fuck les rageux, fuck les emmerdeurs, fuck les gros fils de pute. Voilà, c'est franchement là-dessus, j'ai vu ta vidéo, j'étais totalement d'accord. C'est pour ça que je te parle de ça au cas où que tout simplement tu regardes cette vidéo tout simplement. Et non, n'arrête pas YouTube, ça sert strictement à rien. Et voilà. Bref, du coup, on va faire place à la vidéo. Donc, cette vidéo est une vidéo « Je lance le défi » sur Black Ops 3. Donc, tout simplement, aujourd'hui, je vais lancer le petit défi. Disons qu'on va mettre les bottes en pistolet, donc au pistolet et en flash... pas en flashball, comment ça s'appelle quand on porte des armes. Bon, je vais vous montrer de toute façon.
Donc pour les règles, pour la carte, vous prenez n'importe quelle carte, qu'elle soit grande, petite, etc. Moi, pour ma part, c'est Nekton, parce que vous savez que je ne suis pas un grand joueur de Black Ops 3, tout simplement. Mode de jeu, vous ne touchez pas, moi j'ai pas touché. Vous allez dans les règles, donc les règles, bah, vous faites créer classe, vous mettez classe perso 0, vous mettez 10, et vous voici les classes prédéfinies, vous mettez les pistolets. Et en guise d'accessoire, donc vous mettez celui-là et les deux armes, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le petit défi. Vous mettez 30 points, moi j'ai mis 30 points, mais voilà. Il faut savoir que ça va être hyper long parce que les bots vous les mettez en deuxième classe, évidemment, parce que si vous les mettez, vous faites l'erreur de les mettre en vétéran, etc. Vous allez passer 3 ans à faire des putains de kills. Ou alors vous allez faire très rarement. Après, au moins que si vous êtes très fort, bah là par contre voilà. N'hésitez pas vraiment, si vous faites des gameplays ou vous faites vraiment les défis, n'hésitez pas de m'envoyer vos vidéos par mail parce que je compte. Ça vous l'avez pas fait d'ailleurs, je suis assez déçu. Vous l'avez pas fait au niveau des emails. En plus pour ceux qui ont des chaînes, ça pourrait faire votre pub, etc. Moi qui gagne commence à gagner des abonnés et voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail qui sera dans la description. Donc lcpdcfr@gmail.com. N'hésitez pas de m'envoyer vos gameplays. Et évidemment, je prendrai certaines scènes de vos gameplays. Et enfin, les meilleurs moments où vous avez fait des kills. Et j'en ferai un top Black Ops 3, tout simplement. Bref, alors du coup, on va commencer cette petite partie de Nekton. Alors, il y a des bots en face de moi qui sont quasiment au même niveau parce que je suis pas vraiment, voilà, je suis pas un très bon joueur de Black Ops 3. J'y joue juste vraiment pour le plaisir parce que voilà, j'aime bien jouer à Black Ops 3 de temps en temps. Mais vous savez que la chaîne souvent, elle est souvent sur GTA 5 et en ce moment sur Forza Horizon 3. Mais bon, là, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait Black Ops 3 sur la chaîne, donc pourquoi pas en faire, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos emails, tout simplement. De temps en temps, vous verrez soit au milieu de l'écran, de votre écran, soit en bas de la vidéo ou au-dessus, tout dépend de mon montage. Vous verrez mon adresse mail pour vous m'envoyer vos gameplays, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut le savoir que c'est un peu plus dur en fait que le défi d'avant. Donc, c'est dommage pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et eh ben, c'est trop tard. Je ne prendrai pas vos défis. Là, vraiment, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et vous avez jusqu'à un mois. Donc, à partir de cette date. Wow, ça commence déjà à tirer. Hop, je me suis fait 2 kills. Wow. Par contre, c'est chaud. Par contre, c'est vachement chaud. Donc du coup j'ai mis 30, j'espère qu'on va pas se faire un égalité parce que ça va pas le faire. Cible abattue. Oh putain la vache. Putain, j'ai vu des pas. Ah! On va voir la kit cam. Ouais, voilà. Vous avez vu, les bots sont aux mêmes armes. Et par contre, eux, ils tirent d'un coup, mais moi, je tire. Wouah! Putain, c'est chaud. C'est quand même chaud là. C'est quand même plus chaud que la dernière fois. Donc, vous avez vu déjà, moi, après, moi, c'est vrai que je suis pas un bon joueur de Black Ops 3, mais voilà. Faites le défi, et moi, je ferai le top. Le top, je sais pas combien il y aura de vidéos, donc. Dégage. Je sais pas combien de vidéos il y aura. Donc, du coup, je ferai un nombre. Tout dépend des vidéos que vous m'enverrez. Par contre. Hop, déjà, ça c'est fait. On a fait un petit set. Wow putain. Ouais, c'est un peu chaud. Hop, voilà, ça par contre vous avez le droit d'utiliser, hein, c'est pas comme la dernière fois. Ah putain la vache. What the fuck? Là donc là c'est un mélange général, hein, donc tout le monde se tire dessus, les bots sont des fois un peu cons des fois. Des fois, moi, j'ai répété un petit peu le gameplay pour voir si c'était possible. Et j'ai vu des bugs de bot tout à l'heure. C'était un petit peu chelou.
Putain, vous avez vu, je pense qu'on va faire un petit. On va faire un petit égalité, ça va être chaud. Ça va être chaud. Firebreak mis à terre. Vous avez vu, il y a des bots, ils sont vraiment très cons, ils sont vraiment buggés en fait, donc. Dégage. Putain, 12-12 là, c'est chaud quand même parce que. Wow! Dégage. Putain de merde. Oh là là. Dégage. Putain, what the fuck, c'est chaud. What? Putain, j'arrive à faire quand même quelques kills, c'est quand même chaud. Putain, on est déjà. Oh putain, la vache! Eh, quand même, j'ai quand même rattrapé, mais c'est quand même un. What? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ennemi à terre. Putain de merde. Voilà, ça c'est fait. Ah! Lui il m'a donné carrément un coup de crosse. C'est pas fait chier. C'est pas fait chier. J'espère que le gameplay ne bug pas parce que là je suis en 30 FPS. Hein. J'ai baissé parce que d'habitude c'est un petit peu la merde. Mais dégage toi! Wow! Nomade à terre. Voilà, putain de merde. Dégage! Oh là là, c'est chaud! Wow! Dégage! Putain de merde! Ah, l'atout, putain! L'atout! Dégage, casse-toi. Putain de merde. Outrider à l'air. Demande débriefing. Oh, la petite cam là va être magnifique. Elle va être magnifique. Elle va être magnifique. Un kill au pistolet. Un kill en coup de crosse. Hop, lui il est mort. Allez hop. Et puis lui. Bon, un petit peu dans la merde. Par contre, comment ça se fait qu'il est. What? Parce que normalement dans le menu ils ont tous les mêmes armes en fait. C'est très 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 chelou. Bon, c'était quand même assez chaud. Voilà, bon, c'est un petit gameplay gentil, assez cool. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit gameplay. Donc n'hésitez pas de m'envoyer vos gameplays si vous avez fait le défi par mail. Et évidemment, je ferai un top des meilleurs joueurs qui auraient fait. Voilà, donc évidemment, si un score, si vous avez réussi à faire plus que. Enfin, plus que moi, vous pouvez. Les scores, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Il faut essayer de battre minimum les bots, tout simplement. C'est juste vraiment pour s'amuser, et etc. Voilà. Par contre, vos gameplays ne seront pas pris si vous faites du 420p. Faut vraiment minimum que ça soit du 720p, sinon je ne pourrais pas vous mettre en top, tout simplement. Voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de partager et de commenter. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. Et je pense que sans doute que du coup, demain, ça sera un scénario de la famille Lara, tout simplement. Et voilà. Donc, on se retrouve demain. C'était CF Gaming. Ciao. Bye bye.